Pourquoi aujourd'hui mon groupe a décidé, à l'occasion de cette journée d'initiative parlementaire, de mettre à l'ordre du jour cette proposition de résolution pour qualifier le régime politique israélien de régime d'apartheid? Si nous n'en parlons pas, personne n'en parle ou si peu. Vous êtes les plus silencieux qui existent sur la situation que subissent quotidiennement les Palestiniens et les Palestiniennes. Nous en parlons pour sortir du silence. Pourquoi nous voulons qualifier ce régime politique comme un régime d'apartheid? Beaucoup d'organisations internationales aujourd'hui le font, le documentent. De très nombreux intellectuels et responsables politiques en France, à travers le monde, en Palestine et en Israël le font et le documentent. Nommer les choses, qualifier les choses, nommer les responsabilités, c'est un chemin vers la paix. Parce que sans justice, il n'y a pas de paix. Il nous faut à tout prix pouvoir nommer les choses pour aboutir au dialogue dont la ministre parle. Oui, nommer l'apartheid, c'est un chemin vers la paix, et cette paix, elle conditionne l'apaisement des autres conflits du Proche et du Moyen-Orient.